Bon, un knife ou rien. Si j'ai pas le knife, je ne fais pas la run. Je veux dire, on va aller voir là. Ça c'est nul, ça c'est nul. Si je me... L'objet là, c'était si je me fais toucher, ça fait une explosion de bombes dans tous les sens. Donc du coup, ça te retue par-dessus. Pour bien te faire comprendre que tu vas mourir, quoi. Voilà, donc là, il y a une salle d'objets, on va aller voir ce que c'est. J'ai tellement plus de tears up, j'ai l'impression que je me suis amélioré par rapport à tout à l'heure. Désolé hein, si j'arrive pas à finir des runs, hein, c'était. C'est pour ça que j'ai hésité à lancer Isaac en fait, parce que je savais très bien que j'allais mourir en boucle. C'est con parce que ma première run c'était bah, c'est la meilleure finalement que j'ai fait, hein, comme d'hab. Hein. Alors après là, si vous voulez vraiment que je finis des runs, je prends la dozel et je fais toutes les runs. Hein. Et c'est juste que le jeu ne me donne pas de bons objets. Ça c'est du dégât. Sauf que ça me ralentit, je rame déjà du cul. Sauf que ça me donne pas beaucoup de dégâts quoi. Famine, il va me donner un Meat Boy. Tout à l'heure le ciseau c'était bien putain. J'aurais jamais dû, j'aurais pas dû faire le gourmand, j'aurais dû. C'est vrai que Guppy, putain, ça m'aurait tellement carry. C'est Guppy, t'es Guppy, tu sais voler, tu peux tout faire, quoi. Allez, le Meat Boy. Alors je vais essayer, si j'arrive pas avec son son, j'essaye Eve. Eve, quoi qu'il arrive, j'y arrive mieux. Enfin, je dis ça. Eve, c'est dur aussi. Hein. Mais je deviens plus fort quand même plus vite. Hein. Plus Eve, elle est toute mignonne. Zboob. Je fais pas exprès hein, de me faire toucher, hein. C'est juste que je suis mauvais. J'en ai marre des objets de merde. Ça, c'est un objet, quand tu oublies que tu l'as pris, faut faire gaffe. En gros, tu fais des explosions à la Bomberman. Et donc, les explosions sont très très larges. Bon, pour l'instant, ça s'annonce nul, hein. Voilà, une explosion à la Bomberman, c'est ça. Bon, par contre, l'avantage, c'est que c'est super bien pour nettoyer les rochers. Hein. Ou pour nettoyer les ennemis, regardez. Voilà. En plus, on m'en donne des bombes. Tu vois que ça va être encore un truc où on va me dire, eh vas-y, on va te donner Pic Fetus, on va te donner je sais pas quoi. Le pire, c'est que je fais des bonnes games quand je prends ces, armes, ces trucs de merde, mais. Mais qu'est-ce que c'est chiant parce qu'il faut faire gaffe à. On va pas dire oui, quoi. Allez, on va reroll le truc. J'en ai 7. Ça m'intéresse pas. Il y a que ça qui est intéressant en fait. Dommage. Je peux le tuer avec le Meat Boy, hein, mais. Corps à corps, monstro, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ça quoi. Allez, des clés. Et de la luck, donc du coup, de la merde. C'est quelle heure là? C'est 6h15.
Ouh là là, si ça c'est une bonne pilule, c'est cool. Tears down, ça c'est de la merde. Infested. Allez, armée d'araignée. Armée d'araignée qui va mourir, voilà ici. Du coup, elle va pas mourir ici parce qu'elle peut pas attaquer les mecs. Voilà. Je te dis, hein, il me donne un bon objet ou dans un Devil Deal ou autre, c'est bon. Ouais, là j'ai pas de niveau pour esquiver et tout. J'ai vraiment perdu l'habitude. Surtout que je joue mieux en mode portable à ce jeu, c'est impressionnant. Ouais, le festival d'araignée, t'as vu? C'est calmé dans le chat. Qui c'est qui a lancé un live Splatoon? Dénoncez-vous. Ça regarde plusieurs lives en même temps. Tu me diras, moi je le fais rarement ça par contre. Parce qu'après du coup il y a plus un live qui m'intéresse que l'autre et du coup je préfère dire carrément que je pars. Et puis les araignées, bah tu pars dans une salle pareille là. Tiens! Bon, être Bomberman finalement c'est pas si mal. Ici. Tididi, tididi. Dommage, j'aurais dû garder un infested là, j'aurais eu plein d'araignées. C'est les tuer avec le Meat Boy, j'ai pas de dégâts. Faut que j'ai 11 là. Je m'attends pas à ce qu'il me fonce dedans aussi vite en fait. Ah, mais fais-moi un cricket Z. Du dégât, s'il vous plaît, les gens, du dégât. Champignon, on le tente. Allez, le coup. Petit rocher marqué. Du dégât. Je suis plus lent, mais je m'en fous. De toute façon, je vais mourir. C'est imminent. Rocher marqué. Enfin, le Magic Mushroom est là. Dommage. Ouh, les squelettes. Alors là, je suis très lent, donc ça fait partie des mobs les plus chiants à tuer, du coup.
Eux ils sont chiants aussi, mais ça va. Ah, il y a les potes qui sont là aussi. On va tuer une rangée avant d'aller abattre l'autre, parce que sinon... Allez, un bon objet. C'est nul. Bon, je tire aussi, je perds un peu du dégât, mais derrière, je gagne beaucoup de tears up, donc finalement, c'est pas si mal. Par contre, je suis en train d'avoir tous les champignons du monde, là. Regardez, avec un peu plus de tears up, comment c'est rigolo, le jeu. Un caca. Mais c'est un XL. Ah ouais, je suis dans une cave XL. Ah, ça, c'est bien. Ah, j'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre, le premier. Ça y est, TechX, bienvenue, tu vois, voilà, ici c'est le feu, c'est le festival, ça y est, le jeu, merci le jeu, enfin je suis fort, c'était le meilleur call à faire, regardez comment c'est beau TechX, ah là là, merci, il faut pas que je meure maintenant, faut que je me fasse de la vie vite, des cœurs, merci. Ah, vous allez voir comment je vais rouler sur le jeu là. Regardez les caca, ce que j'en fais moi des caca. Voilà, donc là vous allez voir une run où je vais rouler sur le jeu. Hein. Clairement, TechX c'est... En fait TechX, tu vois, tu peux le charger comme ça. Mais en fait, si tu le charges comme ça, c'est juste la grosseur qui change. Et là on voit qu'il y a la petite barre pour recharger. Qui me dit bah, quand je peux le charger à fond. Bon, par contre on va prendre le temps. Merveilleux, regardez comment ça va vite. C'est dingue, hein. Comment un si petit objet me change la vie. Bon, après, j'ai beaucoup de dégâts, là. Non, mais comme je vous l'ai dit, le talent, ça se crée. Attention, ennemi du très fort. C'était un ennemi très fort. Du tears up, sauf que je suis déjà à fond. Hein. Ah, c'est un ennemi que j'aime pas lui aussi. Et le couteau de. Pas le couteau de maman, le. Le rouge à lèvres. Ah, par contre, voilà, je suis repassé à 4 de dégâts. Hein, donc là, le dégât va pas être comme avant. Tears down, c'est non. Une fested. Ah voilà, s'il y a du caca, j'aurai beaucoup de. Merde, c'est pas grave, j'ai gaspillé un. Gaspillé une clé, mais ça m'a donné un cœur, donc finalement, non. Les mouches. Ah, faut que je fasse des petits comme ça en fait. Vu que j'ai beaucoup de tears up, je peux en charger beaucoup. En fait, là, on s'en fout de la range parce que quoi qu'il arrive, je traverse la map. Tididi, tididu. Merde. J'arrive à me faire toucher encore, attention. Des caca. Les araignées à l'attaque. Voilà. Vous avez vu, hein. Tous les cacas se sont transformés en araignées. Alors, attention, eux, ils sont explosifs. Là, il me faudrait la perruque de maman pour avoir full araignée. Slogan de l'espace. Ça c'est pour éviter d'avoir la malédiction dans le noir, je crois, mais j'ai un doute.
BFF. Ah, BFF, ça me donne bien envie. Ça me donne bien envie, mais. Mais j'ai pas de. Ouais. Ouais, oula, j'ai failli foncer dans les pics. Il faut toujours y aller doucement, hein. Bon, la vraie question c'est est-ce que je prends BFF? Du coup. Et au cas où j'ai des. J'ai des familiers, ils seront plus gros. Par contre, pour grossir mes araignées ou grossir mes, comment ça s'appelle, mes mouches, il me faut Hive Mind. Qui est un objet à peu près différent, mais qui a la même, on va dire, c'est la même idée que BFF, quoi. Sauf que c'est pour les mouches, quoi. Par exemple, BFF, c'était un Meat Boy, derrière. Bah toi, mon Meat Boy, il est devenu plus gros, d'ailleurs. J'avais même plus pensé que j'avais un Meat Boy. Comme ça, mon Meat Boy, il est bien plus, il est presque aussi gros que moi, il me protège bien. The Moon, c'est la salle secrète, sauf que je l'ai déjà trouvée. Est-ce qu'il y a un rocher marqué? Il n'y a pas de rocher marqué, mais ça se tente là. Il y a une salle secrète là, par contre. Ah, pire boss. Là, j'ai perdu mon level lead, c'est normal. Voilà. C'est le pire boss, là. C'est vraiment le boss que j'aime le moins. Allez, c'est parti. Donc, nous continuons directement la salle secrète avec un petit grid. Qui me donne le magasin deux fois moins cher, donc c'est cool. Heureusement que j'ai le tears up. Hein. Ouais, le tears up, ça me permet de vraiment spam le dégât. Je savais pas que j'étais une arme. Tu sais, ça me rappelle dans Kaamelott quand elle dit vous savez pas ce que c'est la lobby des mecs, maintenant ils se battent avec les serviteurs. Et il fait bah oui, ils se battent avec les serviteurs. Non, non, ils se battent avec les serviteurs. Ils prennent les serviteurs et ils se tapent avec dessus. Tiens, amuse-toi. Objet, oui, 10 balles. Sachant que le magasin sera moins cher, c'est cool. Par contre, il y a maman qui va m'écraser. Ah. Non, ça sert à rien. Objet de merde. Poète, 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 magasin. Attention, magasin moins cher. KO. KO. Ah, KO, ça peut être rigolo.
KO, ça peut être rigolo. On tente un KO? Allez, on tente un KO. KO, en gros, ça va tout modifier. Oh, le missing poster! Je m'en fous, j'ai déjà The Lost. Par contre, ça, c'est cool. Ça me permet de pas payer les Infested, c'est les araignées. Bad gaz, on va péter un coup. Ouais, KO, c'est cool. Par contre, bon, bah, le missing poster, je m'en fous. D'accord, j'ai fait perdre mon Devil Deal. C'est bien, c'est d'être tranquille quand on peut faire des délires. Ah oui, bah, de toute façon, c'est le but. Hein. Super. Ah, si je le gère bien, je peux faire le boss rush. Donc on a dit que Samson il devait faire il devait faire Isaac. Alors attendez, est-ce que les objets sont bien? Parce que j'ai mis KO. Ah, il y a le halo. Il y a le halo. Je me mets en danger hein, en faisant le boss rush hein. On se met en danger en faisant le boss rush, mais on aime le danger ici. On va regretter de mourir comme un connard. Bon, heureusement, plus je prends des dégâts, plus je suis fort avec ce perso, donc finalement... On va mourir, oui. Un fœtus! Il est moins dangereux que le rouge. Donc le boss rush, le but c'est de se taper je sais pas combien de boss à l'affilée. Et en essayant de pas crever comme un connard, sachant que je me suis fait toucher par de... J'ai dû marcher dans de... Un ange. Il va mourir très très vite. Lui il est très chiant. Ah, monstro, monstro 2. Bien sûr, je lis pas le chat, mais je pense que vous comprendrez pourquoi là. Putain, il m'a ralenti du cul, le mec. Ça y est, on a survécu au boss rush. Si on peut dire qu'on a survécu. Ouais, c'est vraiment de la survie.
Bah ouais, qu'est-ce que je vous dise, c'est de la merde. Homer Simpson. Ah, il me faut vraiment de la vie. Hein. The Lover. Wheel of Fortune, c'est cool. J'ai le droit à deux touches. Super, j'ai le droit à une touche. C'est moi où j'ai failli mourir? Putain, j'étais Kix quoi, fais chier! Pourquoi j'ai fait ce boss rush de merde? Tout ça pour un halo! Bon, par contre, ouais, non, KO c'est pas une bonne idée. KO c'était pas une bonne idée dans le sens où, où là il me sert plus rien. De la thune. Fuck. Putain, mais donne-moi de la vie. Toi, donne-moi de la vie. Toi, donne-moi de la vie. Toi, donne-moi de la vie. Ah, Mactoub, mon small, je suis encore plus petit qu'avant. De la vie! Un caca. De la vie! Moi j'ai besoin de vie. De la vie, de la vie, de la vie. Ce jeu qui veut pas me donner de la vie. J'ai trois spectateurs, mais c'est qui les trois? Parce que j'en vois que deux moi. Peut-être moi le troisième. Peut-être que j'ai pas enlevé le stream en arrière-plan. Possible. Heureusement que j'ai du dégât, hein, mais de la vie! Super. C'est un boss en long. C'est matriarche. Non, Phalène, putain. Deux Phalènes. On voit qu'il m'a pas touché. Le fouet de l'amour et du dégât. Un Devil Deal, un bon Devil Deal. Alors, bah oui, de toute façon, je m'en fous, c'est quasi gratos. Bon, par contre, ça, c'est pas un objet de Devil Deal à la base. Hein. I can't see forever, dommage. Speed down. Non, mais pentagramme, c'est cool.
J'aurais juste dû prendre le pentagramme, hein, mais bon. 4 coeurs, ça me suffirait pour vivre. Hein. Il faut juste que. Allez, vas-y, balle aux steals là. Ah, les araignées. Ah si, c'est bien, ça les freeze. Donc c'est plutôt cool en fait. Regardez, ça évite qu'ils bougent. Moi d'ailleurs, je les achète comme un gros porc. La reine, je m'en fous, mais ok. Voilà, donc les yeux, c'est vraiment les pires ennemis, sachant que je vais m'en taper un dans le boss là. Donc c'est ma fin imminente si je trouve pas les cœurs. Le Magic Mush. Merci le jeu. Dommage. Déjà, je ramasse des cœurs, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, j'ai envie de confirmer le truc, il me faut des cœurs en plus. Hein. The Lover, s'il te plaît. The Fool. Y'a mieux. Hein. Bah, The Fool, je vais le prendre là, ça peut me servir quand même. Je vole pas, donc lui, je peux pas le prendre. Super. Puis Lily, c'est quelle heure? 42? Ça va. J'aimerais bien finir la run avant 7h. Ça de l'arcade. Putain. Pas un cœur dedans. The Magicien, c'est mieux que The Fool sur le coup. Bon bah allez, The Magicien, mais je vais l'utiliser vraiment sur Mom's Earth parce qu'il va me balancer ses yeux de merde là. Prendre deux touches, j'ai pas le droit de me faire toucher deux fois, enfin il faut que je me fasse toucher qu'une fois grand max. Hein. Attention. Hein.
Isaac, voilà Isaac. Chaud patate, mais ça fait du bien quand même le magicien. Bon bah Isaac. Avec deux cœurs, on sent bien. C'est pas les pires ennemis que j'aurais pu avoir. Par contre, là c'est cool, ça a figé le cœur de maman. Et ça valait le coup. Merci. Maman qui attaque, pourquoi pas. C'est blindé de boss là, bien sûr. C'est lui le dernier? C'est pas... Ouais, c'est vrai que j'ai que 7 de dégâts en fait, hein. Bon, des coffres comme ça, j'ai envie de dire oui. Par contre, il faut pas qu'il y ait des coffres trolls. Voilà, ça a été le cas là. D'accord. On est en train de me régénérer, et ça c'est cool. Je suis full life. Oh là là, clé limitée. Guppy stealth, toujours plus de coffres. Vas-y. Ah, mais de toute façon, j'avais les coffres illimités déjà. Parce que j'avais ça. The Sun. Qui m'aurait régène complètement si je l'avais gardé. Un peu plus de speed, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Gratos, maman qui attaque. Le ermite. C'est fini? C'est fini. C'est fini, mais c'était cool. Ça, plus de vitesse pour me dépasser plus vite pour esquiver les attaques d'Isaac. On est pas mal. Ouh là là, mais qu'est-ce que ça dit dans mon chat? Là, je suis en train de lire le chat et c'est pas bien. Attention, hein. Super, j'ai déjà perdu un cœur, ça commence super bien. Vermite, ça sert à rien. Vermite, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je le garde. Par contre, j'ai des bombes, donc on va en profiter. Péter des rochers, peut-être trouver un truc secret. Bon, on sait qu'on est masse vie ici, donc on peut faire un peu les cons. Un peu, j'ai dit. Putain, oh. Ça me donne que dalle. Toujours plus petit, toujours plus loin. Des homing bombes, des bombes qui suivent les ennemis s'ils les balancent. Pourquoi
pourquoi pas. Toutes mes bombes sont vraiment explosives. Après, ça peut me faire mal, mais bon. Dommage, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. On va aller se régénérer un coup. Je pense que je vais le garder pour le Blue Baby. Ouais. C'est Dark qui a commencé. Ah, de toute façon, hein, c'est jamais. C'est jamais de notre faute. Allez, c'est parti, Isaac! Je peux affronter. Ah, je l'ai pas fait, Delirium! Ouais, mais non. Va te faire foutre. J'ai pas envie. On va juste. Voilà, on a confirmé Isaac, c'est cool. Donc là, on va faire le chest, c'est cool. Et regardez. Il me manque juste le chest à faire. Allez, si tu veux. Allez, si tu veux. Ça, c'est bien. Et ça... Ouais, bon. Bon, c'est cool, on aura fini sur quelque chose, quoi. Ah, je manque clairement de dégâts. Hein. C'est que j'ai tactique, c'est qui me rend fort, hein, sinon. Attack fly, une mouche loin. C'est la bleue, c'est pas la plus forte, mais c'est. C'est un bon petit objet de soutien. Super magnète, c'est une grosse connerie ça. Ça, c'est nul. Hop, cœur noir, c'est cool. Hop, cœur noir, c'est cool. On commence à... Vous avez vu, on commence à avoir quelque chose. On va attaquer les deux d'un coup, hein, si on peut. Hein. Excusez-moi, je lis pas trop le chat. Hein. Parce qu'il faut que je... Il faut pas que je tarde là et. Alors, bien que la game se finisse vite. C'est ça, mais touchez-moi, ça me fait des dégâts. Voilà. Magic Mush il est là. Le Magic Mush il est là. Merde. Il est là. Il est là. Il est pas là. Et c'est dommage. Super.
tous les ennemis merdiques, mais tu me diras avec le TX, c'est pas le cas. Vous voyez, avec... ça permet de faire le tri quand même, le TX. Hein. Heureusement que j'ai pas mis les majuscules, hein. Allez, c'est parti, on s'amuse. Ça c'est quoi? C'est quoi les araignées? Non, speed down. Là j'utilise comme si j'avais une machine de à sous en fait. Le nard c'est cool, je le prends. Il me donne des coffres, il me donne de la luck. Donc finalement est-ce que ça va mieux marcher avec la machine, on va voir. Ah mais ouais, ok, mais il aurait pu me filer un cricket 7 quand même, on s'en fout, on a gagné, on sait. Rétrovision, c'est nul. Et les piles, c'est du nul. Allez, c'est parti, on y retourne. Ah, canne à sucre heureux, excuse-moi, c'est juste que je regarde moins le chat parce que c'est le bordel là. Et que je suis en mode presque fini la run, tu vois. Ça se passe bien mieux que tout à l'heure. Hein. Yolo, yolo. Hop, ça c'est cool. Ou alors fortune, c'est cool parce qu'on peut la faire péter pour faire apparaître ça. Toxicora, hein, pourquoi pas. Ah, ma mouche a fait un peu le travail avec moi, c'est cool. Bon, ça va pour le run où j'ai failli mourir parce que j'avais pratiquement jamais de vie. Ça se passe plutôt bien, mais il faut avouer que tout à l'heure j'ai serré les fesses pendant un moment. Ça, là, j'ai pas vraiment fait une run avec des bons objets. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai BFF, c'est pour ça que ma mouche fait autant de dégâts. Oui, le BFF que j'ai bien fait de prendre finalement, vous voyez. Attends, j'avais ma stun. Judgment, tu vas mourir. Ah!
Ah oui, attendez, je peux avoir un Meat Boy niveau... niveau 3, allez hop. C'est un peu dangereux de faire ça, parce que j'ai, vous avez vu, j'ai sacrifié mes cœurs, hein, mais... Bon, on est là pour le fun, mais genre... Donc mon Meat Boy, en gros, regardez, emmerde les ennemis, leur fait des dégâts. Bon, pendant ce temps, je suis tranquille, champion de belle, ça augmente mes dégâts. Donc c'est cool. Le problème, c'est que c'est des ennemis qui font du sang, je ne vole pas. Ah, prends le toit, s'il te plaît. Coffre. Le triple shot. Le triple shot. Je pouvais pas avoir meilleur objet. Bon, par contre, j'ai moins de... Vous voyez, j'ai moins de tears up, mais bon. Ouais, faut vraiment que j'attende plus longtemps, ouais. J'ai perdu du tears up mal, comme un malade, mais par contre, j'ai 3 fois plus de dégâts. Donc finalement... Ah, je suis devenu un peu plus gros, dommage, j'étais bien petit. Merci, c'était bien. C'était un beau combat. Ah, vas-y. Ah putain, dommage, j'ai ramassé. Mon Meat Boy m'a protégé. Non, c'est mes Pretty Fly qui m'ont protégé. Mon Meat Boy. Il lui a foncé dedans, vas-y. Coffre, pas coffre. Dommage. Allez, c'est parti. J'adore regarder mon Meat Boy. Il est tranquille, il est posé. Il fait sa vie. Bon bah voilà, on peut tenter Delirium, on tente Delirium. Vous savez, c'est le boss complètement random qui va me tuer en 2-2. J'attends vos réponses. Non, de toute façon, je vais le tenter. Je m'en fous d'avoir une win streak, par contre l'idée c'est Delirium, c'est cool. Mais Delirium, je suis faible. Allez, c'est parti. Delirium. Putain, c'est 19h. The Bloody Penny. Alors ici, c'est tous les niveaux, tous les dangers. Sauf que j'ai le triple shot quand même, donc Delirium, ça fait un peu moins peur. The Lover, je vais le garder. Infested, c'est les araignées, donc ça c'est pour rien. Des bisous. De la vie, un coffre. Des pièces. La blanc rune. Ah, la blanc rune qui me donne le mapping, donc on voit tous les boss. Je sais pas quoi ça sert. Bon, par contre, je vais piffer les boss direct. Hein. Je préfère The Lover que Bad Gaz. Hein. Mais pourquoi ça va démarrer tout de suite? Donne quoi, du tears? Sauf que je suis déjà à fond. X-Las, je vais me pisser dessus. Allez, bon, premier boss, c'était cool.
Super, des araignées. Faut pas. Super. On se fait toucher, mais ça me fera du dégât pour la suite. Delirium, c'est parti. Le boss final. Le boss le plus chiant du jeu. Le boss le plus random du jeu. Le boss qui va voltiger dans tous les sens. Et que mon Meat Boy va s'occuper un peu. Sachant que j'ai pas beaucoup de dégâts. Après j'ai le triple shot quand même. Triple shot, j'ai BFF qui fait que mon Meat Boy est au moins utile à quelque chose. Dommage. Le boss le plus dur du jeu hein, que je suis en train de faire. Donc oui, vous avez l'impression que je suis tranquille, mais... C'est le TechX qui te donne cet effet là. C'est juste que je sais que ça traverse la map, tranquille. Il est là, regardez. Je transforme dans tous les boss du jeu, tous les mobs du jeu en fait. Donc des fois il devient super rapide, des fois il devient très lent, des fois il devient très gros. J'ai récupéré un cœur, hein, ce qui fait que... tant que j'ai mon bon art, ça me fait des cœurs que je peux récupérer facilement. Mes Pretty Fly qui me protègent, sachant que je suis assez petit, je vais. Y a beaucoup de larmes qui m'ont pas touché. Enfin, je pense. J'ai pas l'impression qu'il m'ait vraiment touché de base. Mais je me rappelle qu'une fois j'étais tellement surprotégé avec des objets anti-larmes que. Delirium il me touchait jamais. Je pouvais faire n'importe quoi, il me touchait jamais. Enfin, je pouvais, si vraiment je faisais n'importe ou que je voulais vraiment qu'il me tue, il serait arrivé. Hein. Mais franchement, regardez là, je force pas. Hein. Je veux dire, vous avez connu des Delirium un peu plus durs. Ah mais j'ai gagné. Bah voilà, bah ça valait le coup de rester combien de temps 2h30 sur un Sanson. Hein, regardez. Hop, donne-moi ça. Regardez, Sanson, la feuille est ensanglantée et ça veut dire que j'ai réussi à faire Delirium. On va prendre un cœur. Bon, et on va sortir des cœurs. Ah oui, c'est vrai que j'avais mon lover aussi, moi. Depuis tout à l'heure, j'aurais pu l'utiliser. Bon, voilà. Allez, sur ce, les amis, je vais vous laisser ici. On va couper un petit peu à l'arrache aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille travailler. J'espère que vous avez aimé cette petite run Isaac. Voilà. Donc désolé si j'ai pas été très bon dès le début, mais bon, voilà. Mais c'est marrant. Mais celle-là, je mettrai la VOD parce qu'elle était pas mal. Et mine de rien, après pas avoir joué depuis un petit moment, ça va, j'ai réussi quand même une run. Delirium, c'est de la chance. Hein. Mais bon, voilà. Allez, bisous et à la prochaine.